C'est toi qui l'as fait tout ça? Non. C'est pas toi qui m'as donné ça? Ça? DJ Testo, non? Non. Non, c'est pas du genre de... Je trouve ici sur Emule. Non, c'est bon. Hein. On quitte Lori. Ouais. Ça commence déjà à filmer là. La famille réunie. La famille réunie. Pour là on va vers Voipy, c'est ça hein. Donc la départementale 7. Non, c'est au refrain. Et il a pas tort en plus, hein. C'est vrai que c'est... Quand t'es un peu bourré, fatigué, tu entends bien poète, 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 car... tu verras après trois pétards, je te dis ça. Ah ouais, c'est ça. Ça ira mieux. Ça fait à peu près 2h30 qu'on est parti de l'hôtel. Mais comme on avait un peu de temps, on s'est dit qu'on allait prendre un petit déjeuner. Hein. Après, le temps nous manquait, mais on s'est dit qu'il fallait visiter la gare. Donc on a visité la gare. Et là, on a pris un bus, en fait deux, parce qu'on s'est trompé de sortie. Et on a oublié de composter à la sortie, donc notre ticket n'est plus valide. Mais finalement, comme on n'a pas trouvé le métro, on marche à pied. voilà, c'est bien. C'est par là. Donc, deuxième jour, tout se passe sans accroc. C'est parfait. Ça va très bien.
On va se délester de quelques 248 euros aussi, parce qu'on avait en trop. On se disait qu'un bon parking, c'était important. La sécurité. Donc, il y a les lycées aussi. Donc 136, c'est mon ticket à la fourrière pour payer 248 euros. On a fini par trouver la fourrière après environ 2 heures de recherche intense. On est un peu fatigué. Je crois qu'on va aller se coucher.